Me comparé a Enoch y él dijo a Enoch. Et vous partez, vous faites ce que vous voulez. Je suis allée jusqu'à la cour à boudoir. Je suis allée jusqu'à la croix pour toi. J'ai porté 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 la croix pour toi. C'est que tu penses que c'est dit que tu ne vas pas traverser. J'ai traversé pour toi. J'ai porté des fardeaux. Vous m'adorez, la double homme. Parce que tu t'es fait un homme, tu seras découragé. L'homme peut te décourager. L'homme peut te mentir. Mais moi, je ne te mens pas. Ah. Et j'ai porté tes fardeaux. Aller jusqu'à la croix. Oui, vraiment, je suis mort. Je suis allé dans le tombeau. Pourquoi est-ce que je suis allé dans le tombeau? Je suis parti arracher la clé de la mort. Oh, papa. Oh, papa. Je suis sorti du tombeau avec la clé de la mort pour te communiquer la vie éternelle. Pour te communiquer la vie. Pour te communiquer la vie. Et puis tu penses que tu adores quel Dieu? Celui qui est parti dans le tombeau, il n'est pas resté là-bas. Je ne suis pas resté dans le tombeau. Je suis sorti vainqueur. Vainqueur de la mort. Je suis sorti vainqueur. Ne me mélange plus avec le monde. 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 Je suis le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Oh. Je suis le véritable Dieu. Je suis le véritable Dieu. Oh. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Jésus. C'est moi, Jésus. Je suis Dieu. C'est moi, Jésus. Je suis Dieu. Et je suis ton Dieu. Je veux être ton Dieu. Je veux être ton Dieu. Je veux être ton compagnon. Je veux être ton compagnon. Je veux t'accompagner partout. Je veux te suivre partout. Je veux t'aimer toujours. Je t'aime et je veux rester tel toujours. Je n'ai jamais abandonné celui qui est en moi. Celui qui vient à moi, je ne l'ai jamais abandonné. C'est l'homme qui prend la décision de m'abandonner. C'est l'homme qui prend la décision de m'abandonner. Oh. Oh, c'est toi qui vas prendre la décision de m'abandonner. Sinon, moi, je ne t'abandonne pas. À quel Dieu me compares-tu? Je pose encore la question. Mon peuple, à quel Dieu me compares-tu? À un Dieu mort? À un Dieu qui ne peut rien faire? À une grotte? À une pierre taillée? Au Dieu de tes ancêtres?
au fétide de tes ancêtres, à la montagne que tes parents adorent, la forêt sacrée que tes parents adorent. À qui me compares-tu? À qui me compares-tu? À qui me compares-tu? Je suis le véritable Dieu. Et tu es dans la bergerie. Ne sors pas de la bergerie. Tu es dans la bergerie. Ne sors pas de la bergerie. Tu es une brebis. Ne deviens pas un bouc. Parce que quand je viendrai, je mettrai les brebis à part. Et les boucs à part. Les brebis à part. Et les boucs à part. Les brebis à part et les boucs à part. Si tu es une brebis, ne deviens plus un bouc. Mais le bouc peut devenir brebis. Changer ton état de devenir brebis et rentrer dans la bergerie. Et rentrer dans la bergerie. Ainsi parle l'Éternel. Que celui qui a les oreilles entende. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont véritablement finis. J'ai besoin des brebis qui s'avancent, qui continuent d'avancer, qui ne tournent ni à gauche, ni à droite, mais qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent. Pour aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, au bout, au bout, au bout, il y a la victoire. Merci Seigneur. Amen. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant. Genoux fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Jésus-Christ, lorsqu'il faut que Jésus
il faut que Jésus soit roi. Sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parmi ceux qui sont là, certains entendent et disent, il appelle Élie. Aussitôt, l'un de part en courant, il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, attends,
nous allons voir si Élie vient le sauver. De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. Jésus pousse un grand cri et il meurt. Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremble, la terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent, ta grâce sort maintenant, ta grâce sort maintenant, ta grâce sort maintenant, ta bénédiction sort maintenant, ta bénédiction sort maintenant, tes étoiles sortent maintenant, tes étoiles sortent maintenant, les rochers se fendent, les rochers se fendent, ton âme sort, ton âme sort. Maintenant, les tombes s'ouvrent, et le corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveille, se réveille, se réveille. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, il sort des tombes. Parce que Jésus s'est réveillé de la mort. Ta grâce sort maintenant des tombes. Ta bénédiction sort maintenant des tombes. Ta prospérité sort maintenant des tombes. Ta prospérité sort. Ça sort. Ça sort maintenant des tombes. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il y a les paroles de la vie. L'âme sans penser que les mots à qui l'amour. J'attends Jésus. Voilà, voilà. Adieu, adieu, adieu,
Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Oh, Jésus. Et je lis la parole du Seigneur. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler. Ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort. Il s'est réveillé de la mort. Comme il l'a dit, venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples, il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez, les femmes qui profitent de la tombe, elles ont peur. Mais elles sont très joyeuses. Elles sont très joyeuses. Alors si tu es joyeux, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. 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 Il est, 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 il est
Salomon, alléluia, 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 alléluia,
face à la caméra. La Sœur Ruth. Jésus, 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 crie la victoire.